culture. Comment ça va? On se remet un peu des émotions, Linda. Oui, un bon début de semaine. Hein, j'espère à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Des rendez-vous aussi culturels qui prennent aussi donc de l'ampleur, notamment pour les festivités du 5 juillet. Vous savez que nous sommes à porte de ce beau rendez-vous avec l'histoire de l'Algérie, avec la jeunesse aussi, parce que c'est aussi la fête de la jeunesse et de l'indépendance. C'est toujours festif et c'est toujours un souvenir où on retrouve un peu, on refait un peu ce beau travail qui a été fait depuis le 5 juillet 1962 avec cette jeunesse, avec toute cette richesse de notre cher pays. Donc, nous allons revenir sur un nombre important d'activités liées à l'histoire, notamment, par exemple, je vous cite juste un exemple, hein, un hommage à Hadj Mohamed Al-Anqa, et notamment pour la chanson Alhamdoulilah, Mabqach Istihmar Fi Bledna. C'est une chanson qui a été chantée le 3 juillet 1962 dans une petite placette pas loin de Sidi Abdelrahman. On appelle ça le quartier deuxième par rapport au deuxième arrondissement. Pas très loin de Sidi Abdelrahman. Donc, vous savez où est-ce qu'on est. Hein, donc, la rampe Paris-Skelloni. On est au cœur de la ville d'Alger. Au cœur de la, voilà, de la haute Casbah aussi. Et c'est là où il avait interprété cette chanson, dans une toute petite placette, vous savez. Et ça a fait vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions, un très beau souvenir pour les gens de la Casbah, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, ouais, qui ont vécu ce moment. Donc cette chanson va être chantée avec le fils de l'Hadj Mohamed Al-Anqa, l'Hadj Al-Anqa. Toujours le rendez-vous, ce sera donc le 3 ou le 4 juillet, non, dans la même placette. On a cette et au niveau poule. De la placette, hein, qui est liée aussi à l'histoire. Vous voyez, donc on ça écoute aussi, cette chanson, oui. Ça aussi, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, donc on est en train d'écouter, bien sûr, la chanson. Et c'est très, très, très émouvant. Donc, j'invite déjà tous ceux qui seront dans la capitale à aller à ce rendez-vous. Ce sera à partir de 16h, comme on dit, le quartier du deuxième. Oui. C'est très codé, hein, vous savez. C'est des quartiers où on parle avec beaucoup de codes. Donc là, ils vont interpréter. Ce sera le Hadj Al-Anqa, qu'on salue ce matin, et l'association Beni Mezrana. C'est une association qui travaille beaucoup autour de l'histoire de la Casbah d'Alger. Transmission de cet héritage aussi. Donc, ce rendez-vous est un très beau rendez-vous. Voilà, les ruelles, les fontaines, voilà, les maisons qui racontent l'histoire. Mais nous, on va se retrouver là où était l'Anqa, hein, ouais, d'accord. C'est là où il a joué, c'est-à-dire dans la rue, avec le peuple, en liesse. Il a passé sa jeunesse aussi. Ouais. Les you-you, c'était quelque chose de magnifique, vous imaginez. C'est un moment magique. L'ambiance, ouais, qui régnait. Donc, il y aura une reconstitution avec son fils. Superbe. Merci Linda Tamdraï. Et puis voilà, d'autres rendez-vous avec vous à chaque fois. Voilà, d'autres rendez-vous. Vous savez que nous sommes en pleine grille d'été. Donc 9h, 10h, c'est de la musique, la détente, la relaxation, de la bonne humeur, de la positive attitude. On continue dans cette fluidité avec Soria Bouhatba et Mohamed Walbi qui seront au bord de l'eau hein, pour cette belle brise marine. Et on continue toujours dans une ambiance festive. Et on a bien raison. Merci Linda Tamdraï.